Yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur un, je dis bien un let's, j'ai dit un let's play sur les royaumes d'Amalur, Red Cunning. Dans le fond c'est comme un jeu style World of Warcraft mélangé avec du donjon dragon, avec plein de jeux médiévaux, dans le fond avec de la magie. On a choisi trois personnages, juste trois, c'est guerrier, mage et voleur. C'est vraiment, sérieux, c'est le jeu que j'ai vraiment le plus aimé dans tous les jeux. Dans moi, Donjon Dragon, j'ai jamais aimé ça. J'ai les passé, j'ai jamais trouvé ça le fun. C'était vraiment à plat parce qu'après ça, quand tu l'as passé, tu pouvais plus faire de quêtes. Mais Red Cunning, on fait des quêtes, ça continue le jeu, tu te montes de niveau, tu peux te monter d'atout, tu te montes, ah, c'est intense. Ça, comme Final Fantasy XIV et World of Warcraft dans le fond. C'est ça. C'est vraiment tout combiné, tous les jeux médiévaux, même les créateurs de Destiny sont là-dedans, là, c'est vraiment toutes ces affaires-là, là, tout combiné ensemble qui donnent ça jeu-là, c'est vraiment, mais vraiment mongol, t'as des boss à tuer qui sont intuables, c'est vraiment mongol, t'as des boucliers, t'as des épées. Moi je vais vous expliquer dans, en fait, mon personnage que j'avais avant, il était niveau 32, c'était un chasseur, ah, non pas un chasseur, un guerrier. Il y avait t'as aussi le nombre d'armures pis tout, j'avais 1695 d'armure, j'avais... pardon. ça va être la vidéo. J'avais, ouais, j'étais niveau 32, j'avais 100 puissance. Alors j'en avais tellement des affaires, hein. Je peux même pas vous dire comment j'en avais. Ça c'était quoi le niveau maximum dans le jeu? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de niveau maximum. Tu montes là. Tu montes. Okay, ouais. T'es vraiment le jeu le plus cool, là. C'est ça, c'est un des jeux les plus cool. Ça doit devenir plate à longue, je veux dire, tes niveaux, je sais pas trop quel niveau, puis tu sais tous les monstres en même coup. Ah, mais tu sais, t'as vraiment beaucoup de place, là, tu sais, la carte. Mais la carte, elle s'est séparée en, je pense, c'est 5 ou 6 continents. Je m'en rappelle plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué. Hein. Donc, on se retrouve sur un let's play de Les Royaumes d'Amalur, Red Cunning. Jeu complet. Ouais. Jeu complet. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de niveau maximum, vraiment que tu arrêtes à un moment donné. Ils m'arrêteront pas. Ah, oui. Oh, je te dis, si tu fais juste des vidéos sur ça, t'as le temps, le monde va finir par pleurer. Ah, c'est horrible. Ok, là, je buzzais. Ok, tout le monde, je vous laisse sur la. Ah, le gars, j'ai vraiment plus de. C'est pas mal. Ah, on va se mettre à facile, tu sais, pour ceux-là qui se disent. Ok, tout le monde, c'est parti. Les graphiques, mais le problème, c'est que Guigui est en anglais, mais les sous-titres sont sous-titrés en français, donc c'est à vous autres de lire. On devrait peut-être monter un peu son, là. C'est toi. C'est qui, moi. Dans le fond, on était un guerrier avant, comme vous pouvez le voir, les trois personnes qu'il y a là, on était un des trois. Gadflow and his followers, the Tuatha De Jong, believed that a new god was to be born in the east, beneath Gadflow's crystalline fortress of Amethyn. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter what we might have been victorious. Not bound by the laws of life and death. Such two life are fallen on the battlefield would soon rise again. For the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years the war raged. For 10 years the armies of men and Alfar fought and died. But as our numbers dwindled, we knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed.
dans le fond, c'est on se fait ressusciter une deuxième fois. Là, toutes les cartes que tu vas voir qui vont s'envoler, dans le fond, ça va être c'est les cartes dans le fond qu'on devra trouver dans le jeu. C'est vraiment, c'est ta magie, ta puissance, tout ça. C'est vraiment mon gars, là. Mais gars, tu vas le voir. Là. N'hésitez pas à la tête de téléphone. Vous allez voir. Ah, c'est ici, aussi j'ai pensé au téléphone, comme toi. Ça, on va le passer parce que sérieux. Ah non, sérieux, je peux pas. Ah oui. On va le passer parce que là, c'est qu'il t'explique comment tu fais tout ça. On va commencer par ça. On va se mettre un chasseur. Chasseur rayon. Ah oui, ça y va avec ça aussi. Ça peut y avoir la tamerlane, nanana, ça va. Ça peut. Les autres sont bons aussi, comme tu peux le voir. Tu peux. On va peut-être te montrer un qui est bon. Là. Les autres sont bons. Ils sont bons chasseurs, les autres. Le voleur ou bien magicien. Celui-là, il est bon. Ils sont très bons aussi, voleurs. Voleur, mage. Ces deux-là sont bons dans les guerriers. Moi j'ai pris, je vais prêter un allemand. Moi je me mets tout le temps dans. Tu sais quel jeu je me mettais. Ça c'est lui. On va y aller vite de même. On va se prendre ça. Visage, on va y aller comme ça. Teinte de peau, on va se le mettre de même. Puis là, des yeux, on va se le mettre. On va se le mettre de même. On va ça de même, on va ça comme ça. Cheveux. On va se mettre des longs cheveux comme moi. On va se mettre de même. Donc là, des cheveux. On va niaiser un peu. On va se mettre de même. On mettra pas de barbe. Là. On va se mettre une petite. Non. Bijoux, non. Intensité de tatouage. Ça, c'est pour mettre des tatouages. Là. On va se mettre de même. Vous pouvez constater, c'est vraiment pour se mettre des tatouages faciales. Vous avez vraiment. Juste pour vous faire plaisir, on va peut-être s'en faire un tatouage. On va essayer de trouver lequel qui serait peut-être le plus cool. Mais je vais peut-être avec lui tantôt qu'on avait vu. Celui-là. La couleur, on va se mettre ça en. Ouais, on va se mettre ça en bleu. Ok, tout ça c'est fini. Vous faites confirmer. On va passer encore parce que sérieux, ça fait une parler. Non. Regarde, on va se mettre mon nom. C'est pour ceux qui veulent savoir c'est quoi mon nom. Oh. Comme ça, vous n'avez pas de misère à l'écrire. Ouais. Mais gars, pour ceux qui savent pas c'est quoi mon nom, gars, je vais vous le mettre là, même comme ça, gars. Un petit moment, bon, tu n'es. Si vous l'avez pas vu, ben vous mettez, je suppose. On va encore passer ça. Dans le fond, on recommence, là, comme vous pouvez constater, c'est vraiment une petite map de même. L'inventaire, dans le fond, ça sert vraiment à mettre vos armes. Là. Dans le fond, j'ai rien que 5 d'armure. Donc, comme vous pouvez constater, c'est vraiment, on n'a rien de ça. Le destin, dans le fond, ça, c'est une des affaires les plus cool à avoir, qu'on va débloquer pendant notre game, là, dans le fond. Donc, on va aller vite. Un petit peu plus vite. Dans le fond, qu'est-ce qui est fun, c'est que vous devez vraiment fouiller. Vous devez vraiment fouiller parce que ici, dans le fond, il y a beaucoup de. Là, je vais aller snake. Hein. Oh non, j'ai pas dû faire ça. Dans le fond, j'ai débloqué. Dans le fond, j'ai eu mon épée rouillée. Donc, on est dans l'inventaire. On la prend. Et c'est parti. Là, je commence. Ok, c'est vraiment une grosse épée, genre. Abusée, là, tu sais. Ouais. Je pense que t'as une main. Ouais, elle t'a une main. J'en disais qu'elle commençait. Ouais, elle a commencé. Dans le fond, vous ramassez vraiment toutes les coupes parce que, bien sûr, toutes les coupes, dans le fond, vous donnent de l'or. Vous pouvez aussi acheter des armes et tout. C'est vraiment mon gars de même. Ça commence de maintenant. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment là, fou. Là. Ah merde. Et bien sûr, votre vie, elle se régénère aussi là, au fil du temps, là, au fil de votre quête, puis tout. Puis vous ramassez des armures.
Vous ramassez des armures dans le fond, puis après ça, je vais vous montrer aussi toute la map au complet. Si je vous montre la map plutôt complète, il faut que je fasse plus haut niveau que ça. Vous constatez, dans le fond, là, on est vraiment à niveau 0, donc là, tu sais. Je vais pas vous montrer ça. Là. Fouille aussi, ok, avec les gosses en mienne. C'est une jambière. Non. Attends. Puis, ça vous allez dans armure, dans le fond, c'est vraiment comme ça. Vous checkez vos affaires, après ça, boum, ça, vous le mettez d'appeler dans votre bric-à-brac. Pareil pour ça. Dans le fond, le bric-à-brac, il sert à vendre, après ça, à vendre vos affaires qui vous donnent plus d'argent. On va passer ça comme ça. Hein. Ça, je sais qu'on va pas vous combien ça. Ben, ça, c'est quoi combien d'autres? Ça, c'est ça. Hein? On est parti. La fois, on fait ça comme ça. Puis, la potion là-dedans, là, elle sert vraiment à quoi aussi, la potion? Pour ceux-là qui savent, c'est pour ceux-là qui disent, la potion, elle sert à quoi? Oh oui, elle sert à quoi? On parie. Alors, il y a le bain ici. On va y mettre. C'est ça qui est poche, qu'après ça, il faut que tu payes suppose pour t'équiper tes affaires. C'est ça qui est plate. Ouais, là, passer par menu à chaque fois que t'as quelque chose de nouveau. Là. Ouais, c'est ça qui est plate. Là. Mais à part ça, sinon, là, le jeu est super le fun. Parce que moi, si je brise des coffres, comme que j'ai dit, ou bien des boîtes, là, c'est vraiment parce que je veux vraiment que vous voyez vraiment le best. T'sais, si vous voulez qu'on monte de niveau. Ensemble, puis qu'on soit vraiment fort ensemble, faut vraiment que je fouille partout. Ça sert à rien. On dirait le tableau que je t'ai pris dans la zone 51. Hein? On dirait le tableau dans lequel je t'ai pris dans la zone 51. Bon, ça donc là, à la fin, le périple avec le nain continue encore. Là, on va essayer de détruire ces coffres-là. Ah, c'est bien. Là, c'est qu'on va détruire celui qui est là-bas. Puis des coffres là-dedans aussi, ça a beaucoup à quoi. Parce que des fois, ça peut vous ramasser des armes à 100 puis 400 d'attaque. Et pas au commencement. Dans le fond, les crochets, ça a beaucoup à beaucoup souvent aussi. Ramasser les crochets, les voilà, vous devez vraiment tout ramasser. Vous savez, il n'y a rien que vous ne devez pas ramasser là-dedans. Dans le fond, là, on commence à avoir une petite armure en plâtre. On commence à vraiment avoir une belle armure, là, comme vous allez voir, dans pas très longtemps. C'est ça. Puis, puis après ça, aussi, dans pas long, je vais avoir aussi une nouvelle armure qui va déjà, je pense que c'est. On va déjà être niveau 4 ou 5, dans le fond. Là. C'est une armure qui donne au commencement. Puis, je pense que déjà, c'est ça. Je pense que déjà niveau 4-5. Là. C'est pas pire. Prendre à fond. Après ça, vous vous équipez du bouclier. Ce bouclier, dans le fond, vous donne aussi de l'armure. On peut constater qu'on est déjà rendu à 35 d'armure. Là. C'est qu'est-ce qui est quand même pas si mal déjà là. Ça, qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, c'est ta map là. C'est un coffre là. Ok. Bon, pas les... C'est pas ce coffre là. Ok. Ah, oh, putain. On peut constater Étienne là. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas joué. Je vais pas voir ce jeu-là. C'est pire, c'est quand même. Je vais tout ramasser. Ça, c'est vraiment ça qui est poche. Ah, ça va là-dedans. Tu dis, Étienne, tu sais déjà quoi faire, je vais vous dire. Seigneur, ça irait bien si je serais capable de viser. Moi, je suis pas bon en arc, pour ceux-là qui nous étiennent, tu vas te garder ton arc. Je suis désolé, tout le monde de vous l'annoncer, mais non, je ne garderai pas mon arc. Je suis ni bon aussi voleur parce que mon bonhomme, il est vraiment guerrier. Donc, il sera pas. Donc,
que je peux vraiment pas garder mon arc puis de la petite dague, parce que sérieux, je peux pas vraiment pas faire ça, parce que c'est pas parce que je veux pas que vous voyez ça, mais c'est parce que mon bonhomme, il est vraiment pas bon là, il est vraiment pas bon là-dedans. Il est juste bon. Alors, qu'est-ce que je vous dis? En fait, ton bonhomme est pas une classe en arc pour avoir un arc. Un arc ou bien des dagues. Les mages, je vais vous montrer qu'est-ce qui est vraiment le best pour avoir. C'est juste un chakra, dans le fond, c'est comme un boomerang qui jette de la magie, qui attaque avec de la magie. Ça, là, c'est bon pour les mages. Très bon. Parce que tu sais, je veux dire, chaque. C'est comme World of Warcraft, chaque classe a droit à son arme, les guerriers ont droit à des épées, des dagues, des choses comme ça. Ouais. Mais t'sais, quand t'as un guerrier, tu te prendras pas une dague, ça va te servir à rien. T'es un guerrier, t'as une dague. C'est ça. Si t'es un voleur, là, la dague, ben, du coup, elle peut te servir. Mais je vais vous montrer un peu aussi à quoi qu'elle sert la dague quand vous êtes un voleur. T'sais, vraiment, là, je vais vous montrer, là, c'est lui, parce que là, ils me disent vraiment de mettre ça. On va aller en mode furtivité. C'est quoi ça pour être furtif? Ça, je m'en fous. C'est ça? C'est pas ça? Non. C'est ça? Non. C'est pas ça pour être furtif? Un peu plus. Ah. J'ai trouvé. En fond, c'est un œil qui est fermé. Puis quand il devient rouge ou bien jaune, ça veut dire qu'il vous voit. Donc, je vais vous montrer à quoi vraiment qu'elle sert la dague. Vous avez un œil du gars, puis là, boum! Donc on dit élimination furtif. Genre c'est quand même Splinter Cell. C'est vraiment des jeux vraiment mélangés. Comme vous pouvez constater, dans le fond, notre armure est vraiment rendue vraiment. Comme qu'on va. On se cachera pas, elle est vraiment rendue stylée. Donc on va aller se rééquiper. Moi je peux pas encore vendre mes affaires. Là, on va aller se retourner sur mon épée. Oh, un petit bug du jeu. Un soldat qui est pendu par ses jambes. Il a trop de manières, je trouve. Il a trop de manières. Un petit bug, tout le monde. Il voltige. Ouais, il est en train de voltiger, tabarnak. Ben dis-moi aujourd'hui, je niaise. Là, on est rendu à la fin, on débloque une nouvelle magie. Qui est cette magie-là. C'est bon aussi pour les guerriers d'avoir sa magie de même aussi. Parce que c'est... Ouais, ça, c'est vraiment pour les mages. Les robes déchirées, ça fait de même. Les robes, là, tu s'en tout ça. Les potions, même à faire, vous pensez tout que c'est de potions. Vous avez vraiment pas le choix, tout le monde. C'est pas parce que je veux que. Le bonhomme ça va être pas fort, mais parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ramassiez tout. Tu vas y vendre au marché puis tu te fais de l'argent. Et t'as tellement de l'argent. Après ça, on va voir l'utilité d'un bâton de mage. On va vraiment voir à quoi qui sert là-dedans. Ah merde, un bandage, ça c'est pour. Je pense que c'est pour. Ça c'est pour les mages. Un bandage comme ça, c'est pour vraiment les mages, tout le monde. C'est ça qui me disait, tiens, t'as pris un bandage. Ouais, c'est pour les mages. C'est ça, j'ai juste marqué. Ah oh, putain, il vient en moquer les araignées. Une araignée. Faut bien constater, dans le fond, mon attaque fait vraiment beaucoup de dommages. C'est comme si t'as regardé ça dans les coups. Mais c'est ça qu'elle a fait aussi, elle était morte d'un coup. Ouais, le sein, tu sais, je vais. Là, on remonte aussi à quoi qu'elle sert. Le bâton. Ça brûle pas instantanément comme ça, ok? Une toile d'araignée, tout le monde joue comme ça, je vous le dis. C'est la tienne, t'es un guerrier ou t'es un mage? Je suis un guerrier parce que je voulais utiliser le bâton pour vous montrer aussi à quoi il sert là-dedans aussi, tu sais. C'est bien beau de savoir, de vous montrer les armes, mais à un moment donné aussi, il faut que vous trouviez quelle arme qui va vous donner. Parce que chaque classe c'est son arme, mage c'est les bâtons, chasseur ouais. C'est les armes. Faut que vous saviez. Moi je m'en fous, si vous voulez mettre un bâton sur un guerrier, faites les gars, c'est votre choix, là, mais moi je vous conseille vraiment de faire ce que j'ai fait. Et c'est bon aussi pour les guerriers, c'est les espadons. T'as pas rien qu'une arme, t'as vraiment deux armes.
vraiment bon pour les guerriers dans le fond, espadon. Est-ce que t'es capable, par exemple, d'avoir deux épées à une main? Ouais, c'est ça, c'est une espadon, ça. Okay. C'est genre une grosse big épée de mongol, là. Tu sais, rien qui m'écoutait dans deux mains. Dans un commande vidéo, là. Dans un commande vidéo, je l'ai dit. 20. Ça passe vite. 20 minutes et 35 secondes. Les kits de réparation, vous devez ramasser ça absolument aussi, des kits de réparation. C'est pourquoi que je dis ça. Mais les réparations, des fois votre armure a pu se briser et tout. Puis vous devez vraiment guetter votre armure, vos armes aussi, tout se brise en fond. Je te souhaite que tu n'aies pas d'école. D'accord? Monsieur, j'espère juste qu'on n'aille pas monter. Tout le monde, on va passer notre quête. Parce que demain, si vous avez cette temps de mort là, ça va être pas bien. Non, 9h30. Il m'a dit maximum 9h. Il a changé? Non, ça a toujours été 9h. Ah. Donc, on va passer à la cinématique parce que là, je suis quand même à 20 minutes. Là. On va faire un petit coup vite, mais aussi. Ouais. Là, on est à 21. Qu'est-ce que 22? C'est ça que je vous dis, là, vous allez le constater. On passe par là. Ah putain, merde. Là, comme vous allez le constater, on va aller tuer un boss. Vous allez voir, ça s'appelle un troll des rochers. On va vraiment tuer un boss. Peut-être une dizaine, quand est-ce que tu tues un boss? C'est là. Je me trompe, il y a du monde ici. Il y a du monde. Je vais peut-être même aller m'acheter d'autres épées parce que ça s'appelle là. Ouf. Vous pouvez aussi enchanter vos épées. Vous pouvez les mettre en feu, vous pouvez la mettre. Tu sais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment comme ça. Là. Vous pouvez vraiment modifier vos épées. C'est vraiment malade tout le monde. Là. J'ai hâte de voir le Warcraft aussi. On va pouvoir faire ça. T'es sûr? Dans la légion. T'es sûr? Là, tout le monde. Je suis toujours imaginé avoir un guerrier avec le pont, avec l'épée de Tyrion Fondé. Là voici notre boss qu'on veut tuer. Moi je vous conseille avant de tuer le boss, tuer vraiment les... Vous me dites, wow, Etienne. Là, tu as fait ton petit fou, là, tu as fait ton petit stock. C'est pas parce que j'ai fait mon petit stock, parce qu'il faut vraiment que j'évite tous les coups qu'il me donne, parce que ça fait vraiment mal quand tu as 14 un coup de ça. Ouais, ça, vous faites des dommages. Ah, putain. Là. Ça vous fait des dommages sur le troll des rochers. Dans le fond, comme c'est le premier boss, c'est super facile. Ouais, mais quand même, moi, là, je vais vous dire, si vous connaissez pas cette map-là, ça, une attaque stylée. Une attaque stylée, dans le fond, ils vont dire qu'il t'avait poussé le sang. Stylée! Là, tu ramasses tout ce qu'il y a là. Les anneaux aussi, ça sert beaucoup à quoi? Les pierres aussi, ça sert à quoi? C'est... Le talent. Ça va, tu colles notre number one. Non, oui, c'est dans la rue, il faut mal dire que c'est du talent. De quoi ça? De pouvoir battre le premier boss du jeu. Ah, mais t'es bien! Dans le dernier boss, vous allez chier à terre, mais vous allez le tuer, vous allez voir que... Le gain niveau, là, c'est là que ça se passe. Là, c'est vraiment ça. Là. Vous avez fait un armurerie, alchimie, observation, dissipation, crochetage, marchande, persuasion, art de sage et furtivité. Ça, dans le fond, c'est des. Moi, je vous dis. Ouais, moi, je vous dis de faire comme tout. Donc là, dans le fond, vu qu'il y a 2, vous allez à 2. Vous allez à 1, après ça, 2. Lui, vous faites pas tout de suite, après ça, c'est 2. Après ça, c'est, vous faites ça comme ça, toute la chaîne de main. Toute
dans la chaîne en montant. Je vais vous montrer comment faire. Là. Comme je dis que Bill, là, un, là, vous faites tout de suite les premiers, comme ça de même. Ça, c'est pareil, vous montez tout ce qu'il y a là. Vous faites un comme ça. Vous allez sur l'autre, vous faites un site. Putain, merde. Vous faites vraiment comme ça, tu sais, un. C'est vraiment comme ça parce que sinon ça va tout fucker vos affaires. Parce que je veux pas que vous fassiez n'importe quoi, hein, mais tu sais, vous comprenez aussi des fois. Là, ensuite, je vais vous montrer où est-ce qu'il y a une place, où je peux avoir peut-être un épée ou ben un espadon. Si je me trompe pas, c'est un espadon ou ben un épée. Vous pouvez même aussi spawner un boxeur si vous voulez. Vous pouvez spawner un boxeur. Moi, je récolte pas les plantes parce que vu que moi, je suis pas bon dans la chimie puis les effets de même. Nous avons, c'est pas ça. Si vous me dites, est-ce que les poissons peuvent vous attaquer? Non, effectivement, ils ne nous attaquent pas. Vous montez dans la main, vous montez, là, vous faites ceci. Et vous rentrez dans l'eau. Vous pouvez aussi qu'est-ce que où est-ce qu'il fait des petites bulles, là, regarde, vous avez vu. Vous allez dans cette chute qu'il y a là, dans cette place-là, vous rentrez. Donc, fail. Vous rentrez ici, dans cette chute-là. Vous allez voir, il y a des rats géants, vous allez tous les tuer au complet. Vous pouvez les tuer en magie comme ça. Là. C'est plus rapide. Donc, oui. Comme ça. Ensuite, vous avez tout ce qu'il y a là, vous faites ça de même. Et ensuite, vous attendez. Il faut qu'on déballe le coffre. Dans le fond, ça, c'est pour bouger. Et il montre comment on fait, puis là, c'est là que ça commence. Hop là. Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Non, c'est comme ça. Non. Ah, putain! Ah, t'as mis la main. Alors, si. Donc, déjà là, on a déjà un autre arme. Ça, c'est pour les mages. Je crois comme ça, c'est pour les mages. Je ne ramasse pas parce que, tu sais, vu que, comme je vous ai dit, je suis pas un mage. Ensuite de ça, on va vraiment tout détruire. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est pareil pour ça. Ah, d'habitude, il me donne une épée, ce gars-là. Ça va, il va chier. Pareil pour ça, de toute façon, vous faites ceci. One shot et one shot. Un marteau, ça c'est vraiment pour. Je sais plus c'est pour quelle classe, là, mais si vous voulez le prendre, vous le prenez. Ça c'est vous ça, je sais plus, je sais pas comment on fait. Ok, bien fait comme la raison. Je sais plus comment on fait. Fuck off. Bon, tant que c'est fini. Ça vous fait pas de la vie si vous voulez, vous pouvez faire comme j'ai fait là, n'importe quoi. Là. Parce que là, je tente pas de focusser une demi-heure aussi là-dessus. Je vais me prendre de la passion parce que là, je suis en train de crever là. J'allais vous montrer aussi pour aider quelqu'un pour tuer un ours, pour après ça l'achalander pour qu'il vous donne 1000$. Moi, c'est ça, c'est 1000$ ou bien 100$. Je ne sais plus c'est combien, mais je sais qu'il y a une qui donne de l'argent. Là, si vous construisez des épées, vous avez la main, vous ramassez ça. Là, par exemple, vous le ramassez. Vous allez sur ce chemin-là, vous allez voir un petit point rouge. Vous allez aller au point rouge. Vous allez aider le monsieur qui s'est attaqué par un ours. En fond, vous le faites, au début, vous le faites à la magie. Après ça, vous le tuez à l'épée. C'est facile que ça. C'est ça que je vous conseille d'aller. Ceci, comme ça, vous allez marquer, vous allez dire payez-moi ou vous vivrez. Et voilà, il vous donne 104 piastres déjà là au début. Dans le fond, tu décides si tu veux être gentil ou machin. Dans le fond, t'es les deux. Dans le fond, si tu veux être machin, vas-y, fais aller dans le trou de cul. C'est comme The Witcher, tu choisis si tu veux être gentil ou machin. Dans le fond, c'est quasiment ça. Alors, on va se couiller un petit peu. Hein. Ouais, c'est vite. Et voilà, maintenant, on va tout maintenant. On va faire qu'on tue du monde. Voilà, on va essayer de le tuer. Rapidement, parce que je sais pas que je cherche à combien de minutes, justement. Hein. Les vidéos, justement. C'est pour ça que je dis que j'ai un gros goût. T'es à 29 minutes. Ah, c'est pas pire, c'est pas long. C'est pas long, en fait. Ouais, c'est plus pensé. Là, on va les avoir vraiment tués. Là, maintenant, je vais vous montrer le destin.
Tout le monde, préparez-vous, vous allez capoter. Vous faites ça comme ça. Vous les maintenez. Faites ceci. Ensuite, vous les attaquez jusqu'au temps qu'il y en ait un des trois qui vous donne le OK pour dire que c'est lui qu'on attaque. Vous faites A. Comme ça, après, ça forme la main. Ensuite, ça vous donne la touche, puis vous devez appuyer au maximum pour faire un petit spécial dans le fond comme ça. Comme lui, j'ai vraiment coupé tout ce qu'il y avait de bassin et tout ça. Comme ça, vous ramassez ce qu'il y a ramassé à terre. On va aller ramasser ce qu'il y a là. Comme ça. Puis en ça, on va aller trouver le gars. On va le faire grouiller. Ensuite de ça, vous décidez votre destin. Moi, je vous conseillerais de prendre celui-là parce que vu que c'est deux attaques, vu que c'est deux puissances, deux finesses, deux sorcelleries, vous prenez celui-là, vous faites définir, vous faites confirmer, puis ça va bien. Bizarre de m'enlever, putain. Oui, allô? Allô? Ça va bien? Puis quoi? Rien de bon. Ah oui, j'étais à l'école. Hein? Dominique. C'est qui là? Pourquoi tu dis ça? Hein? C'est qui a dit ça? C'est arrivé, je sais pas. Ça va bien. Non. Je le casse. Ouais. Oui, c'est... Bye. Tu t'es interrompu de sa vidéo parce que là, ma mère elle m'a comme appelé seulement. Oh my god, c'est pas un mec quand ta mère t'appelle. Puis qu'elle dit ah, c'est lui mon petit, comment il va là? T'es genre. Connasse. Vous allez sur commerce. Allez sur commerce, d'abord vous vendez tout. Qu'est-ce que vous avez d'abord? Vous faites ça comme ça. Oh non. J'ai vendu mon bouclier. Oh non. Oh le cœur! Vous pouvez vendre aussi vos os, vos documents. C'est pas vous décidez. J'ai tellement envie de faire une job, mais je la ferai pas. Ouais, je vais faire une job, mais ferme la gueule. Non, c'est que je vais te faire une job, genre en fermant la télé. Non. Je vais voir ce que c'est que je suis en train de faire. D'accord, je vais vous montrer aussi comment vous ramasser une paix comme ça, même pour le fun. Dans le fond, genre, vous faites ceci comme ça, comme que je fais, dans le fond, vous faites ceci. C'est de ça, quand vous allez avoir fini toutes ces choses-là, on va avoir une mission, pas une mission, on va aller dehors, dans le fond, puis on va se faire donner déjà là une armure, je pense, qui est déjà à 100 ou 400, quelque chose de même de puissance, je ne sais plus à combien. Donc là, dans le fond, j'ai débloqué une épée longue en fer. Donc, dans le fond, je vais vous montrer comment l'équiper, vous faites ça comme ça, vous faites de même, vous faites arme. Vous faites ça doit être chiant, par exemple, tu sais. Tu passes tellement de temps dans l'inventaire à t'équiper à chaque fois que tu finis par ranger ou à trouver ça chien. C'est ici, j'avoue. Oui. Bon, on va faire ça comme ça. C'est ça, vous allez dans fabriquer. Dans le fond, là, vous êtes comme vous pouvez le constater, je peux déjà fabriquer une longue épée. Je fais comme ça, après ça va comme ça, même pour le fun. Après ça, je laisse la main. Tu sais, je laisse comme ça, je laisse terminer. Donc déjà là, est à 25 d'attaque, donc déjà là, c'est vraiment bon pour un épée, là, je vais vous le dire. Là. C'est très bon pour un épée, donc comme vous pouvez le constater, est déjà en feu, comme vous pouvez le constater, est en feu. Donc on va sortir de cette place-là, parce que c'est vraiment cette place-là, elle fait un peu. On va montrer, il y a un coffre, vraiment un coffre en particulier qui donne vraiment une armure. Là. Le gratos, là. C'est vraiment le fun. On va vous montrer ce qu'il est. Je me trompe pas, je pense qu'il est à... je pense qu'il est par là-bas. Ah, regardez là. La flèche que vous voyez ici, dans le fond, il est en face du
commerce pour vendre des armures et des armes. Où le forgeron, en face du forgeron, il y a une fontaine. En face de la fontaine, il y a un coffre. Vous allez dans le coffre, vous faites tout prendre. Et vous allez entendre quelque chose comme un petit bruit, écoutez bien. C'est pas long, on va l'entendre. Dans 3, 2, 1. Quand vous avez ce bruit-là, ça veut dire que vous avez une armure complète de la même sorte. Dans le fond, le greffe de ses parts. Quand vous avez tout ça ensemble, ça vous donne, comme vous avez entendu, un petit bruit. Un bruit fucké, hein, comme je vous ai fait. Hein. Comme là, déjà là, on est en niveau 2. Déjà là, avoir un niveau 2 qui a 132 d'armure, là. Non, niveau 1. Qui a 132 d'armure, là. Je veux dire que les ennemis ont. Ils paniquent quand ils vous voient avec ça. Hein. C'est ça? On est niveau. Je vais vous montrer la gauche devant la map. La map. Vous avez ici. Elle séparé. Vous avez dans l'Entar, dans le fond, c'est la map qui jusque là, en, comme vert foncé. Vous avez aussi des plaines d'Eratel, dans le fond, c'est juste à la place qu'il y a là. Ensuite, vous avez Cluricon, dans le fond, c'est juste une forêt qui est juste là. Vous avez des tirs, c'est juste à la place là. Et ça, c'est ma préférée, c'est Alabastra. C'est vraiment une map où ce qui est vraiment la mort est là-dedans. Là. C'est vraiment une map où ce qui est vraiment des morts là-dedans. C'est des morts vivants, ça fait dans la main. C'est vraiment la map que j'ai vraiment aimé. Vous allez. C'est vraiment. C'est à séparer dans le fond en 1, 2, 3, 4, 6, 5. J'avais dit. En 5. C'est pas en 5, j'avais raison, gang de con. Dans le fond, aussi, vous pouvez attaquer. Vous pouvez. Détruire les coffres, dans le fond, ça fait rien. Personne va vous dire arrêtez de faire même. Personne va vous dire ça. Ils vont juste vous dire d'arrêter. On s'en fout. C'est pas ça fait rien quand tu sais poulet sur le village te cherche. Mais là, ça fait pas ça. Là, ça se fait. On va même vous le montrer. Je peux constater, c'est vraiment t'as un petit bruit louche un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a le fun aussi, c'est quand tu t'es arrêté par les gardes, dans le fond, tu peux t'échapper de la prison, dans le fond, c'est vraiment drôle. Ouais, dans le fond, j'ai tué un genre de bébite, je sais pas c'est quoi. Donc on va vous montrer où ce qu'on est. Donc dans le fond, on est à la clairière d'Alestar. Donc dans le fond, on va s'arrêter là. Pour le let's play dans le fond, mais comme que je vous ai dit, je vous quitte pas, je vais vraiment faire un let's play de ce jeu là dans le fond, hein. C'est sûr que je vais vraiment en faire un, parce que t'sais, on va s'avancer tout le monde ensemble, on va flipper, parce que des bouts qu'on flippe un peu, ça dépend, on va faire tout ça ensemble, on va avancer, dans le fond on fait tout ensemble, ok, on va tout faire, ok. On va se monter de niveau, on va tout faire ça, puis on se retrouve une prochaine fois dans un petit gameplay de Les Royaumes de Malure, Reckoning. Bonsoir.